On se voit tous comme étant un petit peu minuscule. Et ne me dites pas le contraire, je sais bien que c'est vrai, car moi aussi je me vois ainsi. Mais pour autant, devons-nous être vus comme démunis? C'est malheureusement une réalité. On se voit un peu trop souvent comme petit et faible face à notre monde. Un monde qui semble tellement immense que l'on se sent écrasé par celui-ci et par ceux qui pensent le diriger et en dicter les règles, les tenants et les aboutissants. Mais finalement, ils ne sont rien. De manière éparse, avec des styles divers et variés, les cinéastes de cette semaine nous montrent cela. Une société où finalement, le plus important, ce ne sont pas ceux qui ont le pouvoir, mais ceux qui veulent en faire quelque chose et qui surtout cherchent à trouver la bonne place dans ce monde. Une place qui les incitera à devoir affronter ce dit pouvoir, ce grand, ce géant parfois même, pour simplement montrer qu'ils ont mieux à faire que simplement se présenter aux yeux du monde. Les auteurs de cette semaine veulent combattre cette idée qu'un petit ne peut pas détrôner un grand. Qu'un petit, si on peut l'appeler ainsi vu le pouvoir qu'il a entre les mains, peut devenir l'instigateur d'une révolution qui changera le cours de l'histoire et qui le délivrera d'une prison qu'il s'est lui-même créée. Bien au-delà de simplement faire de l'histoire et de ses grands personnages des éléments basiques qui sont renversés par les membres cachés et nombreux de la grande histoire, les cinéastes de cette semaine veulent simplement montrer au quidam qu'il est tout aussi important que eux le sont à leurs propres yeux. Toute l'idée des films présents cette semaine est de montrer qu'une histoire n'est jamais dominée par les grands, bien au contraire. Le cinéma a toujours été un art qui cherche à peindre ce que l'humanité a de plus imposant, de plus marquant, mais finalement ce qui est vraiment marquant, c'est de voir un personnage tout ce qu'il y a de plus simple, donc vu comme petit au sein de ce monde, devenir grand par le biais du regard que les autres portent sur lui. En cela, les différents personnages, qu'ils soient liés de près ou non à l'histoire, sont avant tout des êtres humains voués à rester petits, mais qui acceptent également de se confronter au pouvoir en place, donc de choisir de détruire les grands pour mieux les rendre petits. Des plus grands viendra la fin d'un pouvoir sectaire et réducteur qui empêche les petits, les quidam, nous finalement, de devenir les maîtres d'une société et d'un monde qui nous est si cher.